Antoine Jourdain. Bonsoir Antoine, félicitations. Allez-y, je vous en prie. Laurence, je vous laisse prendre un micro. Alors, on parle de Saint-Étienne événement et vous parrainez cette catégorie Victoire du design. C'est quoi exactement Saint-Étienne événement? En fait, la ville de Saint-Étienne a choisi de confier à un gestionnaire la gestion de ses sites événementiels majeurs, à savoir le Parc Expo, le centre de congrès, la verrière Fauriel, prochainement ouverte, et puis la cité du design. Et ce gestionnaire, c'est Saint-Étienne Événement, qui est une entreprise qui est portée par le groupe GL Events et à laquelle est associée l'association historique qui gérait le Parc Expo. Et c'est avec cette société que nous allons gérer l'ensemble de ces sites et dans le cadre d'un contrat de délégation de services publics sur 30 ans, nous allons investir une trentaine de millions d'euros sur Saint-Étienne dans les sites événementiels afin de proposer aux Stéphanois, aux acteurs du territoire et à l'innovation des sites dignes de les accueillir. Et de très beaux sites, parce qu'on a vu donc en image de synthèse Saint-Étienne Parc Expo. Vous nous parlez de la verrière, elle va ouvrir quand cette verrière? Donc la verrière, c'est pour le printemps prochain. Au printemps. On devrait inaugurer en mai. Elle se trouve tout près de là, cette verrière. Elle a deux pas d'ici, c'est la dernière friche industrielle de l'espace Fauriel. Alors oui, c'est un joli projet, c'est plus de 1000 mètres carrés et ça sera un bel espace réceptif avec aussi les extérieurs qui vont être entièrement refaits. C'est un très beau lieu en tout cas. Et pour le Parc Expo, donc ce soir vous remettez la victoire du design, est-ce que vous avez choisi justement le parti pris du design pour ce nouveau Parc Expo? Alors, le parti pris du design, j'espère, parce que moi j'en suis fière. Vous avez vu un certain nombre d'images. Je pense qu'on aura un beau Parc Expo à Saint-Étienne en septembre 2020. Hein. C'est tout proche, c'est bientôt. Et puis cette victoire du design, c'est certes pour le Parc Expo, c'est pour l'ensemble des travaux que l'on mène. Mais il y a aussi d'autres raisons à cette victoire du design. D'abord, notre premier métier, c'est de vendre la destination Saint-Étienne aux organisateurs d'événements. Et lorsqu'on parle de Saint-Étienne ailleurs, en France et ailleurs dans le monde, souvent le nom Saint-Étienne est associé au nom design. Alors on s'est rendu compte combien c'était un vecteur d'attractivité ce design. Voilà pourquoi aussi on est fiers de pouvoir remettre un prix du design. Et puis un petit mot pour vous, parce que les travaux que vous avez menés sont remarquables. Moi, en tout cas, j'attache une importance particulière à ce que vous avez pu faire avec Tournaire. Alors, je suis très, très heureuse de pouvoir vous donner cette victoire du design. Alors, on va découvrir en image le travail d'Antoine Jourdain. Alors, vous êtes autodidacte, Antoine. On se connaît un peu parce qu'on s'est déjà rencontré plusieurs fois. J'ai eu le plaisir d'écrire sur votre travail. Vous avez grandi dans une famille d'agriculteurs dans la Loire. Vous avez fait des études de commerce et puis vous avez travaillé dans la mode, le luxe, vous avez travaillé notamment à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à ce métier de designer? Alors, déjà, j'ai toujours aimé le design depuis tout petit. J'ai toujours commencé, on va dire, à dessiner certaines choses très jeune. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec certains artistes. Et puis, automatiquement, les choses se sont faites toutes seules. On a commencé à créer du mobilier. Voilà, j'ai commencé avec alors, du cristal. Alors, on découvre justement le mobilier que vous avez fait en collaboration avec la maison Tournaire de Savigneux. Voilà, avec des incrustations donc, de la maison Tournaire dans du tout meuble, du mobilier qui est 100% made in noir, je crois. Exactement, 100% made in noir. Donc, la maison Tournaire, la maison Cousin, à Toliard, qui sont Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Étienne. Enfin, voilà, tout est fait dans la Loire et j'en suis très fier. Et alors, donc, le menuisier, il est dans tout la Loire. Tout à fait. Michel Baumier, qui est l'entreprise de chaudronnerie, puisqu'on voit du métal, le traitement des métaux, tout ça, c'est tout fait. Dans voilà, la société Cousin est ici, à côté de Saint-Étienne. Michel Baumier est à Saint-Jean-sur-les-Mieux, donc on est dans la Loire, à Toliap, et aussi dans la Loire. Donc, je suis très, très fier et j'y attache beaucoup d'importance, en tout cas.
Et alors, on le trouve où on les trouve où, ces créations? Alors, ces créations sont soit dans des galeries, on fait beaucoup de sur-mesure et aussi... Oui, parce que vous vivez entre Saint-Étienne et Paris, il faut le dire. Saint-Étienne, Paris, Cannes et l'étranger, très souvent, je voyage beaucoup en permanence. Alors, on fait une petite pause sur Cannes parce que vous travaillez avec un grand céramiste. Tout à fait, Georges Pelletier, un très grand céramiste, un des plus grands céramistes aujourd'hui de sa génération. Et on fait aussi une gamme de mobilier, la gamme Céramica. Et là, on est en train de développer un partenariat Tournaire-Pelletier, donc la maison Tournaire avec Georges Pelletier. C'est vraiment incroyable, une histoire incroyable parce qu'on a deux savoir-faire qui sont très différents, mais en même temps, un savoir-faire ancestral utilisé avec des technologies aussi de la maison Tournaire. Et c'est, enfin, ça me donne des frissons quand je vous en parle. Après, moi, je suis passionné, mais c'est très beau, c'est une belle histoire. Eh bien, bravo Antoine pour cette victoire beaucoup. Du design, vraiment. Merci beaucoup. Je vous laisse recevoir votre prix Victoire du design pour Antoine Jourdan, designer par Laurence Bussière, Saint-Étienne Événements.